l'électricité. La pression. Bien le bonsoir, messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Attention, je vais le dire, aujourd'hui, une vidéo spéciale. Désolé pour ce cliché. Alors, je me suis filmé, c'est mon métier, hein. Jusque-là, y a rien de spécial. Pendant des mois, sans rien vous dire, alors que j'étais en train de bosser sur une très grosse production. Je vais parler de la vidéo Ghost Recon, le film animé. Vous l'avez vu, peut-être, peut-être pas. Et je me suis vraiment filmé jusqu'à la poster sur YouTube, donc vous allez même voir ça quand je la poste, je vois vos commentaires, tout ça. Donc il y a plein de petits secrets que je vais vous révéler sur ce genre de truc. Des petits contenus exclusifs où on nous verra à la Redbox en train de travailler vraiment sur les projets, sur du concret. Du business. Donc voilà, si vous êtes un petit peu curieux, je pense que vous avez plein de choses à apprendre, plein de choses à comprendre aussi par rapport à notre plateforme, à notre façon de travailler et à l'envergure de ces projets. Ça a été des mois de travaux pour beaucoup de gens, il y avait toute une équipe dédiée à ça. Et je vais revenir sur vraiment de la naissance du projet, pré-production, production. Et on va casser les codes directs puisque ça commence avec l'annonce. Pour ceux qui le savent, Ghost Recon, c'est une licence qui appartient à Ubisoft. Ubisoft, des studios avec qui j'ai beaucoup travaillé, les gars sûrs. Alors voilà, l'équipe d'Ubi nous annonce qu'un Ghost Recon va sortir. On se concerte avec Vodka Amixem pour faire un projet en commun. On a l'habitude de faire ça, souvent vous l'avez vu, hein, c'est des vidéos qui sont un petit peu liées. Mais cette fois-ci, on part sur un concept cool de créer 3 animations qui seront disponibles sur chaque chaîne, mais avec une direction artistique totalement différente. On part sur un projet qui est plus créatif, plus risqué, et on se dit pourquoi pas. J'ai eu aussi énormément de chance grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mes vidéos. J'avais rencontré un abonné qui est réalisateur dans un studio d'animation. Moi j'ai vu les animations, j'ai fait... C'est génial, j'adore, mais je suis youtubeur, hein, j'aurais jamais le budget pour ça. Dans ce genre de projet, c'est Ubisoft qui va financer la production de cette vidéo. Donc grâce à l'argent qu'ils nous donnent, on peut produire des choses de malade qu'on pourra jamais produire avec simplement une vidéo YouTube. Pour savoir si le projet est réalisable et avant bien évidemment de le valider, il faut qu'on travaille principalement sur 3 choses qui sont très importantes. La direction artistique, la réalisation et la production. On doit tout simplement avoir une idée globale de ce que sera le projet. Donc on doit avancer dessus, on doit commencer à travailler dessus même si on est sûr que ça va pas se faire. Donc moi je commence à travailler aussi quand même sur la licence, à savoir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, et on va parler de la direction artistique. Le but c'était tout simplement de faire une animation vraiment complexe, d'une qualité d'un film, quelque chose de sérieux, mais dans un format court, parce qu'on aura bien évidemment un souci de délai et surtout un budget. On a des grosses problématiques qui sont vraiment énormes et on se dit... On peut faire quelque chose quand même. On va peut-être simplifier certaines choses dans le film. Enfin, on va trouver des solutions. Mesdames et messieurs, je vous introduis la direction artistique, monsieur Valentin Adiba. Parlons de la direction artistique du film. Une des choses spécifiques de ce film, c'est qu'on utilise une licence qui existe déjà. C'est Ghost Recon. Donc déjà, dans un premier temps, que ce soit pour le character design, pour les décors, pour toutes ces choses-là, il faut respecter la licence de base, les matières de base. Mais ouais, compiler les références visuelles, vérifier que ce soit fiable avec les trucs de la licence. Faut aussi, sur des petites productions comme ça, être souple, être capable de mettre les mains dans le truc, ouais. Et pas juste regarder ce qui se passe. Donc t'as mis un petit peu ta patte dans tous les aspects du film. Est-ce qu'il y a un truc que t'as bossé spécifiquement comme le chara design ou est-ce qu'il y a des trucs? En fait, sur le character design, c'est vraiment les animateurs, enfin un character designer qui a géré le design, et après nous on va plus lui faire des retours, l'orienter, vérifier que ce soit fidèle à la licence, que ça aille dans la même esthétique. Que les gens savent pas forcément l'animation, c'est que au début t'as juste un tracé, t'as un gars qui fait la couleur, tout est très dissocié, donc les gens ont pas de vue d'ensemble sur le truc. Et nous l'avantage c'est d'avoir ce recul là et de se dire ce plan là il va pas bien s'imbriquer avec celui-là. Une des choses que je voulais absolument, qui du coup était un peu plus compliqué, mais qui était compliqué pour la musique, pour les plans et aussi pour les voix, c'est que je voulais 2 directions artistiques dans le cours, une très sombre et une, tu sais, très onirique, colorée avec la forêt, tout ça quoi. Ça d'ailleurs c'est un truc de comp qu'on a vraiment vu à la fin justement. Au tout début, les planches avec la cascade, tu vois, quand ils tombent par à travers les feuillages et tout, c'était encore un peu vert. C'était très vert et de l'eau turquoise et tout. J'ai remarqué. Et ça, ça s'est fait vraiment au dernier jour. Dernière phase de composition. J'ai vu dans la dernière version, je fais ils ont changé la colo. Ouais. Même par rapport à l'histoire, ça appuie la narration parce que t'as le côté la forêt ultra flippante où il se casse la gueule, il tombe, il roule, il s'explose, machin, etc. Et puis ensuite, il se réveille. Et d'un coup, c'est beau et ça appuie l'histoire aussi et la narration. Ouais, c'est clair. Ok, bah merci beaucoup. Bah merci à toi. Bon, on se refait ça semaine prochaine du coup, Ghost Recon 2. Ouais. On fait quoi, Assassin's Creed? Assassin's Creed, ça me chauffe bien. Allez, c'est parti. Ubisoft, vous avez vu. Alors ensuite, chose très importante pour la réalisation d'un projet. Encore une fois, moi, par exemple, je ne suis pas animateur. Mais là, on est sur de l'animation, c'est très particulier. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance aussi de travailler avec Gwen Germain, réalisateur de Werlen Meyer, pour amener le projet. Encore une fois, moi, par exemple, je peux écrire, réaliser, produire, mais là, on est quand même sur de l'animation. C'est très différent, c'est très spécifique. Moi, j'ai aucune expérience. On a pu échanger là-dessus il y a quelques semaines. Je vous mets l'extrait.
Ladies and gentlemen, we are going to the YouTube. C'est ta première fois sur YouTube ? C'est ma première fois sur YouTube. T'inquiète, tout va bien se passer. Je vois ça. Ça va aller. Alors, messieurs, dames, nous sommes en compagnie de Gwen Germain, monsieur réalisateur sur le film animé Ghost Recon, qui a travaillé avec Wes Anderson sur L'île aux chiens, ou encore avec Aurel San sur son clip Paradis. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai pondu un script, et un script qu'on a modifié. Tout à fait. Qu'on a dû modifier, parce qu'on avait deux contraintes, le temps... Et l'argent. Et l'argent, ouais, parce que mine de rien, c'est quand même important, vu qu'il y a une grosse équipe derrière. Ce que les gens savent pas, c'est que, c'est sur YouTube, d'habitude, on poste une vidéo en 3-4 jours, tu vois, on va dire. Une vidéo, ça prend 3-4 jours de travail. Là, on était sur 2 mois de pré-production et de production pour YouTube, ce qui est énorme, tu vois, 2 mois par rapport à 4 jours. Mais pour ce qu'on a fait, pour l'animation, c'est très très court. Ça a été un vrai challenge quand même, jusqu'à la dernière minute, dernier jour. Donc, moi, par exemple, c'est pour ça que c'est très important de comprendre aussi le rôle de chacun. C'est que moi, j'écris, je suis plus à la production, mais je n'anime pas du tout. Je ne sais pas animer, je ne sais pas dessiner. C'est quelque chose de très particulier qui demande beaucoup, beaucoup de skills que toi tu as, puisque tu as étudié aussi là-dedans et que t'as beaucoup travaillé là-dedans. Donc c'était à toi aussi de dessiner entre guillemets les premiers plans, les premières animes avec ce qu'on appelle le storyboard et l'animatique. Et l'animatique, ouais. En fait, là, mon rôle, ça a été essentiellement de bosser sur l'animatique. Donc ensuite, j'ai fait uniquement de la réalisation. La réalisation, c'est de la direction d'équipe. Plus tu dessines là-dessus sur ce rôle, plus ton film sera respecté en termes d'image et de ce que t'as envie toi de dire en tant que réel. Le storyboard, c'est le premier dialogue visuel où on va voir quelle gueule vont avoir les plans les uns après les autres. Ensuite, l'animatique, une fois que ce storyboard-là est validé, ce qu'il faut, c'est les mettre en vidéo pour voir si réellement ça fonctionne. C'est à ça que sert l'animatique aussi, c'est de savoir si on n'est pas en train de se planter. Et ensuite ça part en production. Tout à fait. C'est une fois qu'on a généré le matériel pour faire la mise en place, vient le compositing, la phase de compositing, sur lequel on assemble l'animation brute avec les décors bruts, avec des mouvements de caméra. C'est là qu'on vient ajouter des mouvements de caméra, des effets. C'est quelque chose qui se voit bien, je trouve, dans la végétation où il y a la petite coccinelle qui s'envole. Vous pouvez voir au niveau du mouvement de la feuille. D'ailleurs, le mouvement de la feuille, c'est de la post-prod, non? Ah oui, bien sûr. Ouais. En fait, là-dessus, on n'avait pas le temps de le faire en tradi. C'est des choses qu'on aurait aimé pouvoir faire en tradi, mais c'est... Mais là, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on est, entre guillemets, sur YouTube. On est réel producteur, c'est notre bébé, entre guillemets, donc c'est entre nous. On n'a pas non plus des tonnes de validations, parce que normalement, pour un film sur d'autres formats, c'est mais l'enfer. Il faut faire valider par absolument tout le monde. Mais on est quand même sur quelques centaines, facilement, des centaines de mails. Facile. Pour finir, est-ce que tu saurais donner une estimation d'heures de travail pour ce film de 3 minutes 30? Alors, pour que ce soit le plus simple pour les gens, imaginons qu'une seule personne fait tout. Un an de travail pour ce film de 3 minutes 30. Parce que, en fait, quelque chose qui est clair pour nous, mais pas forcément pour les gens, ils ont trouvé ça vraiment génial, mais en mode ah, c'est court et tout, on voudrait plus. Mais c'est impossible. Ça, sincèrement, je pense que déjà, personnellement, sur YouTube, en termes de coût de production pour une vidéo comme ça, c'était presque, je veux pas m'avancer, mais presque du jamais vu pour un YouTuber, tu vois, pour un simple YouTuber. Moi, je kifferais, hein, faire un film d'une heure, hein, mais là, va falloir... Ubisoft, va falloir que Ouais. Donc voilà, on a posté notre premier film, et en tout cas, pour moi, c'était vraiment un vrai plaisir. Allez, c'est parti. Le film, c'est terminé, maintenant, je vais sur Fortnite. Et enfin, la production. Donc là, c'est vraiment très important parce qu'on doit budgétiser des mois à l'avance. Par exemple, on dit, bah voilà, pendant 3 mois, par exemple, ça va nous coûter autant. Il faut que ça nous coûte autant. Il faut absolument qu'on tienne ce délai, cette timeline-là. Il faut que la vidéo, elle soit finie tel jour, grand max. On est vraiment très, très loin du cliché, hein, où parfois, en tant que viewer, on peut se dire, ah ouais, c'est Ubisoft qui paye, qui gère le projet, vous êtes juste devant la caméra. Non, non, c'est vraiment tout l'inverse. Après, ça me concerne, en tout cas, pour mon cas, quand je fais un projet créatif comme ça, je suis partout. Là, vraiment, le plus important, c'est la collaboration avec Werlen Meyer, hein, sur tous ces points qui seront là pour mener à bien cette opération. Un petit aperçu de la production. Donc je suis avec Yann Germain, qui est directeur de production chez Werlen Meyer, le studio. Alors du coup, un aspect encore très spécial, on en a déjà vu plusieurs, mais c'est vrai que l'aspect production, ça fait aussi partie des sujets très importants. Toi, c'est une première sur YouTube, je crois. Ah oui, c'est tout premier projet que je fais sur YouTube. Comment ça s'est passé un petit peu de ton côté? Bah, je dirais dans un projet comme celui-ci, le producteur, il a un rôle premier, c'est celui de mettre en place une stratégie, une tactique, on va dire un plan de combat. Plan de combat, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect évidemment coût. Comment on va répartir notre enveloppe budgétaire. Pour pas trop dépasser, sinon Cyril il va pleurer. Il ne faut pas dépasser. Si vous voulez, il y a plusieurs choses à payer. Il y a du loyer, il y a évidemment des talents, c'est-à-dire des salaires. Et donc, il faut adopter une tactique. C'est-à-dire, ok, comment je vais répartir ce budget dans le timing imposé par nos coproducteurs qui étaient toi, Cyril et Ubisoft. Et puis donc ensuite, une fois qu'on a fait cette tactique, le deuxième rôle du producteur, c'est de la dérouler et de la tenir. Donc la dérouler, ça veut dire recruter les bonnes personnes au bon moment, s'adapter selon leur disponibilité et le tenir, c'est-à-dire être un petit peu derrière eux, derrière leur grappe. Et du coup,
coup, donc c'est la première collaboration avec, avec la boîte Werlen Meyer. Première, oui. Première, oui. Et alors, peut-être pas la dernière, alors. Bah, alors, si on arrive à choper des gros projets, grave. C'est une des premières fois que je peux collaborer avec quand même un gros studio. D'habitude, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans notre petit studio de YouTuber avec nos équipes. Et surtout, vous avez fait des très, très gros projets. Vous allez certainement en refaire d'autres. Oui. Mais vous êtes aussi ouvert, si jamais, à des projets sérieux. Il ne faut pas hésiter. Tout à fait. Je voulais pondérer ce que tu allais dire. C'est-à-dire, alors oui, on est un studio dans le sens professionnel du terme. Malgré tout, on reste petit et jeune. On a un an. Il s'appuie sur des profils de ces trois fondateurs, dont Gwen, qui lui vient du monde de l'animation. Malgré tout, maintenant, on fait aussi du design. Et on regarde tous les projets, quels qu'ils soient, qu'on peut nous envoyer, quelle que soit l'ampleur, à partir du moment où c'est sérieux. C'est nous, sérieux. Ce sera toujours un plaisir d'étudier la chose. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain projet avec Assassin's Creed. On fait un animé. Cette fois-ci, on a 3 semaines. Ok. Yes, yes, yes. Messieurs, dames, c'est incroyable. À partir de maintenant, des mois et des mois avant de poster la vidéo, on le sait, Ubisoft nous a sélectionné. Nous allons faire ce projet. Tout est prêt, tout est booké. On a juste à appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire. Le projet est lancé. Maintenant, on va passer dans une phase beaucoup plus artistique, beaucoup plus créative, puisque nous allons passer à la pré-production. La première chose à faire, elle est plus personnelle, c'est la mienne. J'ai fait le choix d'écrire le court-métrage. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, et même je continue d'apprendre, encore une fois. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être toujours au cœur du projet, et je veux pas du tout genre le déléguer et le plug sur ma chaîne en mode « Hey, regardez mon nouveau truc » et j'ai rien fait. Donc la première chose à faire, c'est vraiment éplucher l'univers. Donc là, j'ai bouffé du Ghost Recon, je peux te le dire, puisqu'Ubisoft nous donne accès à des dossiers qui sont confidentiels. Le jeu n'est pas du tout sorti, c'est dans très longtemps. Il y a pas encore de vidéos sur le web, il y a pas de bêta, il y a rien. Ensuite, j'ai une deuxième étape, quelque chose que j'aime aussi, c'est échanger tout simplement avec les développeurs du jeu, parce que c'est leur jeu, c'est eux qui bossent dessus, et même si tout le monde peut donner des informations, je pense que les gens les plus aptes quand même, c'est les devs. Donc généralement on a un chargé de game design ou des choses comme ça qui sont vraiment plutôt haut placés et qui me donnent un petit peu de temps pour échanger avec eux, et moi je les bombarde de questions. Alors la faune, la flore, y'a quoi? Donc il y a vraiment un gros travail de respect de la licence, de trouver un petit peu peut-être juste une petite direction un peu différente pour pas faire du copier-coller des trailers. Il faut aussi avoir une identité quand même à travers une licence qui existe déjà. Incroyable. Et ensuite j'ai eu une build du jeu, j'ai pu jouer à les premières versions, donc ça va me servir pour écrire, mais surtout je vais pouvoir y jouer avec mon équipe, comme ça je vais leur donner un petit peu toute la direction artistique que j'aimerais, les univers que je veux explorer. Ça se passe chez Ubisoft, je peux expliquer le script que je veux travailler dans l'idée, est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'on est sur la bonne voie, telle est la question. Alors du coup je vais vous montrer les zones qui nous intéressent pour l'anime, enfin du moins ce sera l'influence, quoi. Pour rappeler un petit peu le script, au début on a cette scène plutôt sombre sous pluie avec la tension, justement il y aura les wolves et les ghosts qui sont confrontés. Au début je vous avais parlé d'une gunfight avec une explosion. Alors à voir, vous pouvez peut-être donner mon avis, mais moi j'imaginais peut-être plus Walker qui exécute un ghost en fait. Peut-être on peut imbriquer un petit dialogue assez percutant où Walker justement fout un peu la haine au ghost et il exécute un des membres, donc il se prend une balle mais il survit à l'exécution, justement avec la chute il tombe dans l'eau et au final il survit. Donc ce que je voulais dire c'est qu'il faut voir la quantité de dialogue qu'il y a. Je pense qu'on arrive vraiment, il y aura pas de mise en abîme, il y aura pas de rencontre, on arrive à la fin quoi. Okay. On voit juste que les ghosts sont entre guillemets aux abois quoi. En fait tu peux imaginer qu'il y a vraiment la confrontation Walker nomade, sauf que Walker il a un des ghosts sous son bras ou prêt à être exécuté quoi, c'est entre guillemets la menace. Et voilà, et du coup en gros il y a une rivalité parce qu'avant c'était un ghost, sauf que lui a perdu beaucoup de ses frères d'armes et du coup après il a commencé à turn un petit peu en bad guy tout ça quoi. Donc en gros on a nomade qui lui est resté du côté de l'état des gentils et Walker qui s'est vraiment affranchi quoi. Et justement le fait de tuer un des ghosts devant ses yeux ça justifie aussi son comportement un petit peu de bad guy. En fait typiquement cette scène tu vois, tu peux imaginer par exemple mon personnage qui est à genoux près du bord, voilà, où lui il a vraiment le flingue tendu, il a une longue cape, il pleut, on peut avoir quelque chose de vraiment beau, ça, tu vois. Très bien. Et la voix, tu sais si elle est modifiée légèrement par le masque ou pas du tout? Moi je la modifierais je pense. Et du coup en plus il y a deux voix d'acteurs pro et qui ont vraiment des voix stylées, tu vois, donc on peut avoir quelque chose d'un peu plus vraiment pro, ça va faire un peu plus film. Et ensuite on a la chute et puis c'est à ce moment là après on arrive justement dans la narration beaucoup plus onirique et tout ça quoi. Donc déjà premier truc, la première proposition qui était la gunfight, la deuxième qui est plus la rivalité et l'exécution. Qu'est-ce qui... Exécution, moi ça me paraît hyper cool. En plus, c'est une entrée en matière bien dramatique, bien intense. Est-ce que les personnages sont au courant des technologies, genre, est-ce que le mec quand il se fait tirer dessus, il se réveille dans la forêt, qu'il est au courant qu'il y a des nuées de drones dans la forêt, ou est-ce qu'il le découvre que c'est deux manières différentes de l'amener ça? Non, je pense que quand même il est au courant en fait, parce que comme il est déjà face à Walker, ça veut dire qu'ils se sont déjà battus contre les wolves, ils ont déjà capturé des checkpoints, et surtout moi
l'axe que je voulais choisir, c'est qu'en vrai, enfin moi j'aime pas du tout, c'est le méchant qui est méchant pour être méchant, tu vois. Alors, il tue quelqu'un juste, ah je suis méchant. Non, il faut qu'il y ait quelque chose à gagner, tu vois. Dans cette île, il y a une base secrète qui est remplie d'insurgés et qui est aussi le QG de commandement des Ghosts, tu vois. Donc il y a vraiment un cœur insurgé, il y a vraiment une rébellion. Donc le but de Walker, c'est tout simplement de le démanteler. Donc voilà, ça commencerait ici, donc on imagine quelque chose d'assez sombre, la pluie, ça flotte, il peut y avoir du tonnerre, des choses comme ça. C'est... Ensuite, un point très important, c'est la création de l'équipe. Alors là, ça va plus jouer avec le directeur de production, Yann Germain, on échange ensemble. Il me propose aussi des profils. Et surtout, on a eu énormément de chance puisqu'une école nous a prêté tout simplement des locaux. C'est comme vous voyez là, on est combien sur le projet? Oh, une quinzaine. Bah moi j'ai 10 mètres carrés là. Donc voilà, il y a une école qui nous a prêté des locaux. Ça s'appelle Créapol. Donc en plus c'est une école d'animation. On a eu aussi des étudiants de l'école qui ont pu bosser sur le projet. Enfin c'était vraiment une très très belle collab. Werlen Meyer a pu poser ses locaux avec l'équipe chez Créapol, ça avance. Pendant ce temps, je vais avoir que quelques tout petits jours pour écrire le script. Donc je voulais à la fois ce côté aspect sombre de la guerre, fin des ghosts, et l'aspect waouh, la map, l'univers, et essayer d'emboîter tout ça. Donc pour l'aspect un peu sombre, on avait un personnage qui était vraiment bien écrit, vraiment intéressant. Walker, le grand méchant, c'est quelqu'un moi qui m'avait vraiment marqué et qui m'intéressait. Et à la fois, utiliser un petit peu les codes des studios Ghibli, de Miyazaki pour ceux qui connaissent. Un aspect très onirique dans l'image, un peu de poésie visuelle avec les forêts, avec la faune, la flore. Suite à ça, la création du storyboard. Tout simplement, un petit peu comme une BD. Vous allez voir différentes cases qui représentent tous les plans de la vidéo avec la différente composition en fait, que ce soit sur le mouvement des personnages, des premières esquisses de décor. Pour vraiment voir, ensuite on échange en tant que réalisateur, si on est raccord. Ensuite, on va partir sur ce qu'on appelle l'animatique. C'est tout simplement la première version de l'animation. Donc c'est un mélange entre le storyboard et l'animation finale, c'est un entre deux. Donc vous avez vraiment les premiers mouvements, les premiers décors, les différents plans, mais de façon animée. Ça va tout simplement nous permettre d'anticiper le temps de l'animation. On va savoir combien de secondes par plan. Ensuite vient un échange avec Ubisoft. On doit leur présenter aussi tout ça. On doit voir avec eux si c'est raccord. Là, on doit défendre son bébé. On se met d'accord avec la réalisation. Est-ce qu'on est bon sur tout? Est-ce que tout va à tout le monde? Maintenant que le script est terminé, pour gagner un petit peu de temps, on va réaliser tout simplement la voix off. Je suis allé à la Redbox. Et d'ailleurs, pas mal de gens l'ont remarqué dans la vidéo. Ça a été un des seuls défauts qu'on a pu tirer de ce projet. C'est la qualité du son sur certaines répliques. Ça n'a pas été très bien fait. Tout simplement parce que nous, déjà, on n'est pas du tout experts du son. Donc, s'improviser un petit peu tous les métiers. Si on est assez courageux, on s'en sort. Mais il y a des choses qui pardonnent pas. Le son en fait partie, visiblement. Tu fais un making up, Cyril? Au cas où, oui. Pour le vendre après, on t'a rendra de l'argent. Tu vas encore faire des vues? Ubi, ils sont d'accord avec ça? Ubisoft? Moi, j'ai pas aimé Breakpoint, alors. Alors, on est sur la séquence 3. Ça commence par et moi. Ça commence par toi, Vassili. Donc là, il y a Nomad qui vient d'exécuter un ennemi. Vous arrivez derrière son dos pour lui parler directement. Donc toi, t'es vraiment dans le doute. Nomad, on n'a plus aucun signe de vie depuis trop longtemps. Ouais, là, c'est la merde. On est à tes ordres. Un seul mot et on crame la forêt. Plus intense, Valentin. Plus intense, tu veux. Vas-y. Un mot et on la crame, cette putain de forêt. Qu'est-ce qu'on fait encore là, Nomad? Fury a besoin de nous. On est à tes ordres. Un seul mot et on brûle la forêt. Et les abonnés. Sortir. Ensuite, donc il y a la réplique de Nomad qui est là en mode les gars, on reste ici, on fait rien. Et vous là, vous sentez un peu vexé, donc vous continuez dans le cynisme et dans le sarcasme. Parfait, Nomad, allons boire des cocktails, restons là, laissons Fury dans la forêt tout seul. Donc en impro quoi. Exactement. Faut peut-être être un minimum réaliste, mais bon, c'est pas grave, hein. On a qu'à recruter un nouveau ghost. Non, pour moi, on est une équipe et on ira au bout. Génial. Vos deux derniers étaient vraiment cool. Bien reçu, chef, mais c'est pas en gueulant dans les talkies que je vais m'en sortir. Bien reçu, mais c'est pas en gueulant dans les talkies que je vais m'en sortir. Super, gueuler dans les talkies, les gars, parfait. On en reparlera à R1. C'est très bien, on en parlera à R1. Ça pose la validation du rendez-vous sans les dire, c'est bien. Je suis peut-être un ghost, mais je vais avoir besoin de vous, mes frères. Rajoute un wall là. Voilà, je crois que c'est chaud. Voilà, je pensais la fin. Eh frère, rajoute un wall là. Making of Ghost Recon, dans les dernières étapes. On est le 18 septembre. Et là, le film sort vraiment bientôt. Quelque chose a changé dans la vision en fait. Comme on arrive de plus en plus vers la fin du film, forcément, il y a des choses qui évoluent. Et je me suis dit qu'à la fin, il manquait quelque chose sur le plan séquence, sur le voyage initiatique. Il manque quelques petites phrases, il manque un petit peu de fond. Au début, on était sur une musique de ce genre. Mais ça m'allait pas. Donc j'ai contacté un autre compositeur qui s'appelle Ioum et je lui ai proposé une version un petit peu différente, une vision un peu différente, un peu plus inspirée de la soundtrack de La Tortue Rouge pour ceux qui connaissent, quelque chose d'un peu plus, on va dire, émotionnel, plus fort. Et j'aimerais caler quelques petites phrases. Donc du coup sur la nouvelle musique, vous voyez qu'on a un effet un peu de montagne russe où ça descend et ça remonte.
ça descend et ça remonte. Et en fait, dans ces petits creux là, c'est le moment parfait pour placer une petite phrase. Donc du coup, on partirait plus sur ça. De violon, on va ajouter un peu de percussion, des voix angéliques. Je suis un ghost et je n'abandonne jamais. Et ensuite, on le voit marcher et je pense que ça peut être beaucoup mieux que juste avoir de la musique et pas vraiment comprendre ce plan. Et je voudrais que ce soit plus sur le fait qu'il abandonne pas, il continue de marcher vers son objectif, il survit. Il faudrait que je trouve des phrases, un peu des citations peut-être de Marines, de soldats. Donc voilà, là j'ai le podrome guerrier. Je suis un soldat américain. Je suis un guerrier et membre d'une équipe. Ça c'est pas mal. Entraîné à survivre. Un soldat est un esclave en uniforme. Parfait, c'est ce qu'il me faut. Un soldat est un chômeur armé. Ah voilà, c'est nickel pour la narration. Tu peux me briser, m'anéantir. Mais te rate pas, car moi, je n'abandonne jamais. Je suis un ghost et j'ai un gang comme as. Non, pas sûr que ce soit la bonne non plus. Une fois que le son est bon, maintenant il faut travailler aussi sur l'identité du court-métrage grâce notamment au sound design. Donc tous les sons qui ont été rajoutés dans le film, les bruits de pas, la pluie, les animaux, le vent, ça a été fait par la Timeline Factory. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, le sound design est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Et pour la musique, j'ai contacté Ioum. Ioum que je connaissais depuis très longtemps. Je lui ai dit qu'un jour on ferait un projet. Là, j'avais besoin de son. Il a réussi à nous faire un son vraiment sympa. Donc là, on approche quand même de la sortie de la vidéo. Je me rends au studio tout simplement pour vous montrer plusieurs trucs, vous filmer différents aspects de la prod. On va y faire du montage, on va bosser sur le sound design comme je vous l'ai dit avant de renvoyer tout ça à la Timeline Factory. Donc direction les studios, je vous montre tout ça et on va travailler un petit peu. Bonsoir Paris. Bon, je suis actuellement à Paris, on est au mois de septembre, début septembre, je vais aller à Créapol là où on a un petit espace de travail. Comme je vous ai expliqué, l'école nous a prêté un bureau. Donc il n'y a pas toute l'équipe aujourd'hui, il y a quelques personnes qui travaillent principalement sur la colo, sur le compositing, mais surtout nous on va devoir travailler sur le montage. On doit monter les voix, le sound design. Je dois échanger avec Gwen, le deuxième réalisateur, pour qu'on ait justement la même vision sur le court métrage. Il est temps d'affronter la vie parisienne. Je vais donc en direction de l'école, on va voir comment ça se passe. On a une grosse journée qui nous attend. Wow. Le danger est partout. Moi, je ne suis qu'un petit Lillois. C'est une journée vraiment importante parce qu'on doit avancer absolument sur la composition musicale. Il faut savoir où placer la musique. On est dans les temps, mais il faut pas qu'on traîne trop non plus. Ok, on y est, c'est juste ici. Créapol. Et c'est parti, je rentre à l'école. C'est ma rentrée à moi. C'est de toute beauté. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je suis en train de cliner la séquence 6, le shot 430. Du coup, je suis en train de cliner le personnage de Fury. Qui est mon personnage? Qui est ton personnage, oui. Et qu'est-ce que t'appelles par cliner? En fait, on a un ref derrière. Ouais. Et en fait, je fais les contours bien lisses. Ok. Pour pouvoir après faire la colo. Parfait. Et toi, tu bosses sur quoi actuellement? Moi, je colorie le personnage de Fury, là, dans ce plan-là. Donc, ouais. Je m'occupe de mettre toute la couleur et les ombres sur le personnage. Ouais. Donc, ça, c'est le clan de base, c'est ce qu'on me donne. C'est le clan de base, c'est exactement ce qu'on me donne. Et moi, en fait, je m'occupe de rajouter directement tout ce qui est couleur. Et ensuite, je rajoute des ombres. Parfait. Pour que ce soit plus joli et que ça colle directement à l'animation. Excellent. Hop, tu ouvres les yeux. À chaque fois que tu as un mouvement dans ta timeline, c'est un layer différent? Pas forcément, ça dépend de pas mal de choses, du mouvement et de savoir en fonction, par exemple en fonction des yeux. Ah, là j'ai dû totalement tout les refaire à chaque fois. Alors sur quoi tu bosses actuellement? Alors là je fais du compositing sur le premier plan de Ghost. Du coup mon boulot consiste à prendre les éléments qui ont été faits en 2D, l'animation, les décors, etc. Et les compiler l'un sur l'autre, les intégrer, mettre des effets d'ambiance, la pluie, okay, etc. Les ambiances de décors. Corps, de colo, un peu de mouvement au niveau des nuages. Très subtil, donc on n'a pas forcément. C'est vraiment pour rendre tout ça un peu vivant, quoi, pour exactement donner un peu de dynamisme. Ça, c'est l'image de départ. C'est l'image de départ, et après, on construit et on ajoute le décor et les effets. Je suis avec Gwen et nous allons tout simplement faire un petit peu de montage. La dernière fois à la Redbox, on a enregistré les voix. Maintenant, on va les poser sur la timeline pour tout simplement permettre aux équipes et à Gwen de réaliser le lip sync, c'est-à-dire le mouvement des bouches sur nos voix. Je ne crains pas la mort. C'est à ce moment-là. En fait, c'est là le problème, c'est que cette scène-là, on n'a pas de lips sur cette scène. Alors, soit on en rajoute, soit on essaie de la placer hors champ, c'est-à-dire lui le dit ailleurs. Je ne crains pas la mort, ça peut marcher. Là, je ne crains pas la mort. Je ne crains pas la mort. Encore une légende qui va disparaître.
peut-être qu'on peut ne rien dire là-dessus. C'est-à-dire que tu sais, ça fait un ghost ne meurt jamais, encore une légende qui va disparaître, je ne crains pas la mort. Ah oui, oui, d'accord, donc après. C'est-à-dire, non, là, moi, à mon avis, tu bouges pas ça. Ouais. C'est la phrase de Walker qu'on ajoute. Si tu trouves pas ça choquant que dès que la cape apparaît, il parle, tu vois. Un ghost. Moi, je pense que ça peut même arriver avant. Mmh. Ah, ouais, ouais. Ok, ok. Ok, on a terminé le premier test, on a posé les voix, on a quelque chose de plutôt sympa. Ça fonctionne. On a un petit changement à faire sur cette séquence. Ça matche plus avec, si vous pouvez voir cette animation. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Fury a besoin de nous. Regardez, il se retourne, et là, normalement, il est censé gueuler. Sauf qu'on n'a pas de voix, donc c'est pas grave, on va faire un petit trick. Un petit trick, on va figer une partie de l'animation, peut-être réanimer un tout petit peu une partie, histoire que ça colle, ça raccorde avec la voix et l'intonation de Nomad. Maintenant, l'instant musique. Donc on a eu différentes propales de musique, comme ça on aura vraiment un aperçu avec les voix, on pourra donner un brief beaucoup plus précis aux musiciens. Super, super. Alors, ah oui, on a 8 éléments, donc voilà, on a différentes musiques pour l'exécution, le générique de fin, la quête, la nature. Il y avait une patte plus forte. Ouais, bah en plus je lui avais donné un brief vraiment précis. Donc j'avais rencontré le musicien, justement je lui avais donné un petit peu la direction à prendre. Et là c'est vrai qu'on a quelque chose de très épique, de très limite Indiana Jones. Alors... C'est aussi de notre faute parce que nous, de notre côté, en fait, c'est des gens qui nous ont proposé leur aide. Des gens à qui on n'a pas briefé forcément sur le projet. Ouais, ça se voit, ça se voit. C'est excellent. La musique là, elle est excellente, mais ça colle beaucoup moins. Et du coup, à l'inverse, par exemple, on va passer directement sur la nature. Beaucoup plus jap. Ouais. Là, c'est plus l'esprit Miyazaki, ouais, et que la nature, ça correspond plus. Complètement. C'est beaucoup plus jap comme approche de l'Asie. Et la quête, pour voir la différence. Et là, dans celle-ci, toi, tu m'avais dit que c'était, ça manquait un peu de la quête, de force, de consistance, ouais. Ouais. La percussion est aussi enlevée, ce synthétiseur que moi j'aime pas trop. Peut-être. C'est Ça fait très drive. Oui, c'est vrai, c'est un petit retro wave. Donc voilà, maintenant, on a bien bossé là pendant là tout ce que je vous en ai raconté, ça a duré quelques mois. On passe à la dernière étape, la production. Donc là, c'est, on va dire, une production simplifiée puisqu'on est sur YouTube. Quand on arrive vraiment à la production, d'abord, il faut prendre du temps vraiment pour peaufiner et terminer les derniers trucs comme le compositing, un petit peu les décors. Vous avez vu quelques ajouts de voix off, musique. Ensuite, il y aura tout simplement un teasing de mon côté sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu dans les stories, des posts Instagram, parfois des tweets. Parce qu'on peut pas vous prévenir 6 mois à l'avance. Rendez-vous dans 6 mois, le vendredi 23 octobre à 13h. On prévoit toujours ça un petit peu pour vous teaser un petit peu quelques jours avant, pour vous hyper. On attend aussi des réactions, voir vos premiers avis sur les visuels. Ensuite, on avait une préparation qui a été très compliquée parce qu'on voulait vraiment avoir ces 3 épisodes le même jour. Sauf que la grosse erreur, c'est qu'on avait 3 directions artistiques, donc 3 façons de travailler totalement différentes. Où nous, ça faisait des mois qu'on charbonnait et tout était carré. Par exemple, Maxime travaillait avec un autre vidéaste. Vodka aussi. Donc au final, on n'était pas du tout dans les bons timings à chaque fois. Moi, j'étais largement en avance ou après en retard par rapport à eux. Donc ça a été chaud. Il fallait travailler sur un générique commun, trouver la date où on pouvait tous poster, trouver un moyen pour que les gens cliquent directement sur les autres vidéos, qu'ils comprennent aussi, que les gens comprennent que ces 3 animations, on peut les regarder dans n'importe quel sens. Et enfin, on arrive à l'étape finale, tout simplement l'upload. Voilà, ça va partir. Hein, là, ça va partir. Aïe aïe aïe, c'est le moment fatidique. Ça y est, messieurs dames, nous sommes dimanche matin. Là, je vais l'upload et on va voir ce que ça donne, hein. Ça peut être un échec total, peut-être que les gens vont kiffer, peut-être que les gens vont pas kiffer. Avec tout le travail qu'il y a eu derrière, c'est maintenant qu'on va savoir. Et c'est parti. Ok, première astuce. Je mets par exemple le titre Ultime Survie. Quand les gens vont aller dans leurs recommandations, ils vont voir Ultime, et Ultime, c'est un des trucs les plus connus sur la chaîne, avec le délire Ultime, qui est des vidéos très longues, très marrantes. Et du coup, peut-être que ces gens-là, quand ils vont voir ma chaîne, quand ils vont voir Ultime, il va y avoir une petite connexion, une petite reconnaissance. Je suis parti sur cette miniature. Si je ne suis pas sur la miniature, ce qui est chiant pour moi, parce que c'est pas forcément ce que j'aime, eh bien je peux faire jusqu'à -30, -40% de vues en moins, quoi. Pareil en référencement, on va mettre les petits copains Mixem et Vodka pour essayer de booster un petit peu plus dans les recommandations. Après, bien évidemment, c'est sponsorisé par Ubisoft, donc on va mettre les liens disponibles, le remerciement et la mention de sponsor. La monétisation, alors oui, sur ma chaîne, sur toutes mes vidéos, elles sont démonétisées de base, donc je dois répondre juste à ce petit questionnaire. Bon, ça prend juste quelques secondes, parce que si je fais ça, toc, c'est chiant YouTube, hein, j'en ai marre. Genre, tu peux faire la meilleure vidéo possible, peu importe, tu dois remplir des cases qui n'ont aucun rapport avec le fait de faire une vidéo, avec le fait de faire de la qualité, c'est même l'inverse en fait. Et genre, si tu fais du putaclic, bah tu exploses vraiment les vidéos.
vu, tu vois. C'est un putain de fait. Si tu le fais pas, peu importe ta vidéo, ça peut être une vidéo de malade. S'il n'y a pas un minimum de paillettes, tu vois, un truc vraiment qui répond au code, genre les pires, une tête un peu comme ça, des trucs comme ça, tu vois. Si tu fais pas ça, vraiment, ça marche pas. On va mettre, bien évidemment, le lien des deux autres épisodes de Max et de Vodka parce qu'ils vont poster la vidéo. On va tous poster en même temps. Bien évidemment, très important, le crédit avec le réalisateur. Nous, notre principal atout en tant que vidéaste, c'est la visibilité. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est très important hein, dans notre société, dans notre économie. Avoir de la visibilité sur ses projets, sur ses entreprises, c'est vraiment big. Et nous, c'est ce qu'on a en masse. Et par contre, ce qu'on a moins, c'est des moyens financiers. Donc comme là, on a vraiment des grosses équipes avec plein de gens, ce qu'on essaye aussi, essayer de les mettre en avant, essayer de leur donner de la visibilité. Allez, c'est parti, ça part en ligne. Ça part sur du Instagram, on poste. On a déjà des petits feedbacks, c'est bien aussi, on a des feedbacks sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça, ça fait plaisir. Toujours chercher à tester de nouvelles choses. Donc c'est un illustrateur qui fait vraiment des trucs de malade. Donc ça fait toujours plaisir quand il y a des gens du milieu qui tweetent, qui partagent. Très bon ratio de likes, dislikes, c'est cool. On va voir les commentaires. Animation époustouflante, félicitations à toi et à ton équipe. Ce qui est compliqué des fois, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte. Parfois, ils ont l'impression qu'on fait tout et qu'on fait le montage d'absolument toutes les vidéos. Humainement, c'est impossible de monter 2-3 vidéos par semaine. C'est pour moi logique que sur des vidéos il y ait des monteurs, pas forcément à toutes. Des fois je peux monter des gros trucs comme le pôle Nord, tout ça, mais en général, bien sûr, c'est les monteurs. 252 qui a remarqué le clin d'œil de Chien de Coquelicot. Oui, bah j'espère que les gens l'ont remarqué. C'est vrai que là il y a plein de coquelicots, mais après en fait c'est déjà dans le jeu de base, mais j'ai réutilisé du coup ces images quoi. Actualise, allez là, les likes, faut liker les gars, ça coûte rien, putain, c'est ouf. Putain, les gars, juste ça vous demande juste. Ça quoi, c'est tout. Qui est d'accord avec moi? L'animation est incroyable. Ça, c'est vrai que sur le travail de l'équipe, il y a un très très gros boulot. La VF du Punisher dans une prod Redbox, ça fait extrêmement plaisir à entendre. Il y a pas mal de gens qui sont quand même, les gars, franchement, c'est là où du coup vous voyez vraiment le bien. Putain, le son des voix, on s'en branle. Il y a genre deux répliques qui sont au niveau du son un peu moins bonnes quoi. Il y a des mois de travaux. Ils sont le seul commentaire qu'ils vont dire, c'est le seul bémol, le petit bémol qu'il y a, c'est que à un moment certes quand Max et Vodka parlent, le son il est un peu moins bien, tu vois, un tout petit peu. Ils sont là en mode, ah non, mais ça sort vraiment du truc. C'est pas grave, on est sur YouTube, hein. Calmez-vous, vous êtes pas aussi noche. C'est terminé. Si vous avez vu toute cette vidéo, bah, je pense que vous avez déjà apprendre pas mal de choses, donc c'est très très cool. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve pour de prochains projets similaires, je pense qu'il y en aura. N'oubliez pas à chaque fois de soutenir quand vous voyez ce genre de choses, c'est très très important de partager sur les réseaux, de commenter, de liker pour donner vos avis aussi, hein, avant tout. C'est super important pour nous, messieurs dames. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus simple, hein, je l'espère, hein. Quand même, je m'en pose un peu. À bientôt!